Allez, dernière série de multiplication pour s'entraîner. Une fois 6, 6. 7 fois 9. Oh, compliqué ça. 63. 10 fois 1. 10. 9 fois 7, la même chose que tout à l'heure, à l'envers, 63. 7 fois 7. Ah ça, celle-là, je la connais par cœur. 7 fois 7, ça fait 49. Je sais pas pourquoi, mais je la retiens, celle-là. 6 fois 9. Bon, attends. 5, plus le complément pour aller à 10, le 4, ça fait 54, c'est ça? Yeah! 6 fois 8, ça rime. 48! 0 fois 9, ça rime aussi. Ah non, bon non ça rime pas. 0. 1 fois 7, ben, 7. 1 fois 1, là ça rime. 1. 1. 1 fois 10, 10. Là aussi ça rime. 6 fois 6, 36. 1 fois 9, 9. 7 fois 6, 42. 10 fois 8, 80. 8 fois 8, 64. 8 fois 7, 56. 10 fois 6, 60. 10 fois 10, 100. Allez, 8 fois 9, t'appliques la technique. Ah ouais, alors attends, moi j'aime pas multiplier par 9, je multiplie par 10, donc ça fait 80. Et puis ensuite, j'enlève 1 à 8, puisque j'ai multiplié par 10 au lieu de 9, j'en ai un de trop. Donc ça fait 80 moins 8, ça fait 72. Ben, c'est ça, j'ai raison. Oui, mais moi je veux que tu appliques ma technique. Ah, ta technique. Alors, je prends le nombre avant le 8, ça fait 7. Je prends le complément de 8 pour monter à 10, ça fait 2. 7 et 2, 72. Beaucoup plus rapide quand même. Ah bon, tu trouves? Pas moi. Bye bye!